Il va falloir que tu te concentres, hein. Mais l'enchaînement, il était drôle. Il faut se mettre dans le rôle, tu sais. Allez. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Laetitia du Instagram Dans les baskets. C'est dommage, je me rappelle même plus mon nom. Non, je te jure. Dans les baskets de la maîtresse. Je le connais par cœur à force de répéter dans toutes mes vidéos. Ouais, c'est vrai. Merci pour la pub d'ailleurs. Et merci pour vos abonnements. Je sais que tu as allé la suivre. Je sais qu'elle a parlé de moi quand je gagne des abonnés. Ouais, mais t'en es pas encore à 1000 abonnés. Donc allez-y, hein, allez-y. Et on retrouve sa fille, Lina. Non, j'allais dire que c'est. Ah, je bégaye. C'est pas grave. Donc on retrouve Lina. Dans cette vidéo, ça risque d'être un peu... Bégayement. Non, pas de bégayement, mais de rigolade à chaque mot, hein, parce qu'on n'est pas habitué à filmer ensemble. Moi, j'ai un peu filmé avec elle, mais j'ai jamais filmé avec elle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo Shein, vêtements, comme d'habitude, mais avec des morphologies différentes et des styles différents. Ah, parce que cette personne-là qui a 15 ans. Ah, je pensais que tu avais 16. J'étais sur mes 16, là j'ai eu sur mes 16. Donc qui a bientôt 16 ans, a un style de jeune, évidemment, qui n'est pas mon cas. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous en intéresser, certaines d'entre vous. Je ne sais pas s'il y a dans ma communauté des personnes qui ont moins de 20 ans. Je ne sais pas, faites-nous signe en commentaire. Mettez quoi? Allez, trouve-nous un mot. Si vous avez moins de 20 ans. J'ai moins de 20 ans. Tout à fait original. Est-ce que j'allais dire ? Mettez-nous un smiley. C'est quoi les trucs de jeunes maintenant ? Mettez un petit cœur. Ok, et un pouce en l'air au passage. Et puis du coup, vous verrez deux autres morphologies. Alors, mademoiselle Laetitia, qui fait un quelle taille à peu près ? Un L ? Un LXL. Mais sur Shein, j'ai pris L, il n'y avait pas au-dessus. Si, il y avait au-dessus, mais il faut aller dans la zone curve. Comme moi, ouais. Faut assumer à un moment donné. Faut passer au-dessus. J'ai pas assumé. Bon, du coup, on verra si les mecs sont elles. Elle a choisi. Moi, j'ai choisi pas mal de pièces et je vais laisser choisir deux pièces, je crois. Une robe et une veste. Donc deux pièces. Et puis on va laisser choisir à la demoiselle un petit peu plus de pièces. C'était un peu Noël pour toi. Dis-nous ton ressenti. C'est ça. Ça fait beaucoup de bien. C'est incroyable. Donc ça m'a fait plaisir de leur faire plaisir, évidemment grâce à Shein aussi. Je vous remets mon lien et tous les liens en barre d'infos et mon code promo si ça vous intéresse. D'ailleurs, elle avait craqué avec mon code promo. Ça prouve que j'influence un peu tout le monde, même mes copines. Donc vous êtes prêtes à découvrir? Alors ça va être découverte au hasard. Vas-y. Alors elle a peur qu'on lui ait pas mis ses pièces. Hein. Genre il n'y a pas ses trucs à elle, alors elle a fait la vidéo pour rien. Donc moi je sais déjà, la première pièce c'est pour ma fille. J'ai pris une tenue fille et maman. C'était à la fête des mères, en fait, ils avaient fait un petit onglet avec des tenues pour la maman et pour la fille. Donc, je sais pas de quoi on aura l'air. On va être sûrement très ridicule, mais bon, c'était pour le fun. Oui, c'est le délire. Et du coup, pour ma fille, j'ai pris... Alors, je savais pas que c'était des petits bambis. Oh, il y a des épaulettes, on dirait. Eh, c'est mignon quand même, hein. Oui, c'est des petits rennes. Des petits rennes. C'est pas des bambis? Non, c'est des rennes. Bon, des petits rennes, avec une petite jupe taille haute, je crois, dans mes souvenirs, comme ça, jaune. Alors elle doit se dire, mais c'est quoi cette tenue? Ben ouais, je sais pas, mais c'était pour le délire. Donc logiquement, il y a la même en version grande taille. Ah, mais qui est là, elle, dès qu'il y a des trucs comme ça, des fonds fous, elle est au top. Hein. Voilà, c'est ça. Donc logiquement, on a... Évidemment, dans cette vidéo, j'ai oublié de préciser, mais on va essayer de vous faire les try-on, les essayages, pour voir un peu ce que ça donne. Du coup, j'ai hâte quand même de voir les essayages des demoiselles, quand même. Ah, direct à la fin. Ça c'est moi. Alors qu'est-ce que c'est donc, madame? J'avais pris un mom. Jean, non, un mom. Genre un jean, mais ça s'appelle un mom. Un mom. Un mom. On va être in dans cette vidéo grâce à elle. Un mom déchiré. Oh non, c'est pas le mien. Ah, c'est le mien. Je vous disais que c'était pas. Mais c'est pas un mom. C'est un jean tout simple, hein, pour excuse-moi, moi. Excuse-moi, je suis désolée. Et qu'est-ce que... Attends, il y a la taille ou pas là-dessus? Non, il n'y a pas la taille. J'ai pris quelle taille j'ai pris. Parce que la dernière fois j'avais pris un jean mais qui était un peu grand quand même, je crois que j'avais pris 2XL ou un truc comme ça. Oui, moi je passe le cap du curve. Et là j'ai pris un jean droit, je pense qu'il est droit et je crois que c'est un 1XL mais... Pas mal, hein, oui, pas mal. Bon, on va vous laisser avec les sillages. Si on peut pas parler pendant les sillages, on sait jamais, il y a des invités qui risquent d'arriver. On vous fera des petites annotations, on mettra des pouces. Vous comprendrez comme ça si c'était cool ou pas. J'espère qu'on va être conquise, hein, surtout elle parce que bon...
ça serait dommage qu'elle soit... Mais là, la matière, elle est cool. C'est vrai que les jeans, ils sont bien. Vous avez été nombreux à être dans la famille dans ma vidéo qu'il y avait des bons jeans sur Shein. Et celui que j'avais acheté était vraiment bien. Donc, j'ai juste repris une taille en dessous et un peu plus long parce qu'ils sont un peu courts pour les grandes. Le pantalon, je suis mitigée aussi. Vraiment, j'ai du mal à le former, ça se voit. J'arrive pas à lever ma jambe. Il est beaucoup trop court. Pourquoi, Shein, vous ne faites pas des pantalons très longs pour les filles rondes? Moi, je suis grande et là, il est beaucoup, beaucoup trop court. Regardez ça. Hein, c'est trop court, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau du tout. Mes fringues, elles vont dire la fille, elle nous a arnaqué. Ouais, choisis. Je fais la voix off en fait de Lina, moi. Ça, c'est moi. Ah, il y a le truc de Lina après. Ah, ouais, moi j'ai pris ça, c'est vrai. Une petite veste un peu. Un peu. Comment on dit? Sweet? Non? Je sais pas comment on dit. Parce que j'en ai une dans ce style. Ouais, un peu bombers, mais j'en ai une, mais qui est trop petite. Allez, j'ai grossi. Elle est sympa. C'est ma dernière grossesse. Elle est sympa avec des grosses fleurs comme ça. La matière, elle est bien. Ouais, la matière, c'est tout doux. C'est léger. Et c'est doux, ça va pas être une matière qui va gratouiller ou quoi, c'est assez agréable. Et c'est une matière que tu laves, tu mets sur un cintre et c'est bon. Pas besoin de repasser. Aspect technique de madame Laetitia. C'est très important les matières qu'on n'a pas besoin de repasser. Ah non, ça c'est sûr que t'as pas besoin de repasser. Non, et la matière elle est super douce, c'est vrai, hyper agréable. Tu veux toucher madame pour ton avis? Ouais, si c'est léger. C'est léger. Bah écoutez, pour l'été qui arrive un jour, c'est pas mal. Le petit bomber, ça est vraiment beau, la matière très agréable, comme Laetitia, je suis d'accord, j'aime bien quand ça tombe bien au niveau des bras là, c'est trop bien, et c'est assez rare, des fois dans le commerce on trouve pas des pulls ou des hauts qui tombent bien au niveau des bras, il est bien, parfait, ouvert ou fermé, je pense qu'il sera, super pratique pour les mi-saisons, quand il fait un peu de froid, un peu de vent le soir, ça va être parfait, parfait, parfait. Vas-y à toi Lina, on sent que là t'as envie, c'est ça? Ça c'est ouais. Toi? Des trucs, mini rats, les... C'est quoi, c'est des débats? Dis ce que j'ai pris. Dis. Bah oui, bah, alors j'ai pris, alors en fait il y avait 4 hauts, c'était un lot de 4 hauts, bah du coup, Shein. Parce que moi, Shein. Pas... Shein. 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 Donc ça fait des hauts comme ça, et genre il y en a en plus. 4 loris? Oui, il y en a 4, il y en a un comme ça, un vert comme ça aussi. Je vous mettrai les prix ici hein, pour info si ça vous intéresse. Un blanc... non, un crème comme et ça, écru. Ah, c'est tout léger, c'est frais hein, comme matière. Ouais, oui. Et le après, ventre à l'air. Et après, il y a le blanc, mais j'ai oui, mais c'est pour mettre avec un taille haute. Exactement. On voit pas son dent. Exactement. La maman surveille. Et un blanc comme ça. Sympa. Ouais. Non, ah, ça c'est la version. Ça c'est ta version. Ça c'est la version femme. Adulte. Je vais être ridicule là, non, quand même. Sérieux. Il faut vraiment que je fasse une séance photo. Hein. Donc voilà la version adulte. Et quelle taille j'ai pris? 2XL. Ouais, je préférais prendre large. Je crois que jamais. Il n'y avait pas d'autre choix. Il y avait d'autres choix, mais je crois qu'il n'y avait pas pour la fille. Ou... Oui, il y avait des trucs moins ridicules. Je sais, je sais. Non, mais regardez la tête qu'elle fait. Non, mais ça sera mignon. La matière, j'avoue que c'est bouffant. C'est pas terrible. La matière, enfin, l'intérieur peut-être. Heureusement, il y a un truc à l'intérieur parce qu'honnêtement, la matière, ça va gratter quoi. Mais ouais, je vais avoir l'air ridicule. Mais je vais demander à Laetitia de faire les photos du coup. Et voilà. Non, mais tout ça va être bien. Non, mais bien. J'imagine pas la dégaine avec ça. Je crois que vous allez rigoler. Alors, qu'est-ce que ça est? C'est toi, je pense. C'est toi? Ah non, c'est. Ça a l'air d'être moi. C'est déjà moi. Je sais pas, sors-le. Ah, c'est pas le survêt? Non, c'est toi, sûrement. Ah, c'est moi, ouais. Ah oui, j'ai pris une robe. Ça, je me souviens plus. Non, je me souviens plus. J'ai eu du mal à trouver des articles. Ah, elle est sympa. T'aimes bien? Écoute, faut voir sur moi parce que des fois comme ça quand tu regardes ça a l'air bizarre. Bah, j'ai pris une robe parce que vous savez qu'en ce moment j'aime bien les robes. D'ailleurs je suis habillée en mode Shein aujourd'hui. Et à voir, elle est resserrée en dessous la taille. Mais les décolletés moi ça me fait flipper. Et là j'ai pris un, tu vois, curve et un XL. Je me suis pas... Elle a l'air longue, en tout cas je voulais une longue. A voir, il faut qu'on essaye. Là vraiment, moi j'arrive pas à me rendre compte. Mais la matière ça va, ça a l'air chaud quand même hein. C'est pas une matière, vous voyez, je pense qu'on voit pas à travers. Moi j'ai cette robe là, et bah écoutez, ma foi, elles disent les filles que ça rend bien. Je suis un peu sceptique, mais bon, pourquoi pas. Les rayures comme ça, je suis pas fan. Est-ce que ça grossit pas? Je sais pas. Bon, évidemment, là vous voyez pas mes pieds, donc ça va. Elle est très longue, en revanche, elle tombe pile poil avec des petites sandales, ça va être joli, je pense. Mais les rayures, vous me direz ce que vous en pensez, parce que moi je reste sceptique sur les rayures. Après, le haut il tombe bien, hein. il est plutôt bien. Petite ceinture que vous rajoutez, je sais pas trop comment la mettre d'ailleurs. C'est pas trop dépensé. Non, c'est pas trop décolleté, là c'est parfait. Ouais. Les bras, très agréables. Il n'y a rien à dire, elle est agréable, hein. La matière est super agréable.
Ah, alors, j'ai pris un ensemble marron aussi. Genre un jogging et un pull. Parce que je me suis dit, ouais, c'est l'été, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'on a eu un mois de mai particulier. On habite dans le nord, donc. Donc, j'ai pris en taille S. Genre, Ah, c'est quand même grand pour en taille S, non? Ouais, du coup, parce que j'ai fait exprès, comme ça c'est bouffant et j'aime pas. Ah. C'est pas beau en jogging. Tu mets ça genre en mode à l'école et tout, ou genre chez toi? Ah non, à l'école. À la cour. Bon. Bah non, mais si tu le dis. Et après, un jogging, bah quand même. Ça a l'air quand même bien chaud, hein. Ouais. La matière là. Ouais, genre là, à l'intérieur. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. C'est en matière de sweat. Oui. Ouais. Il y a des petites rainures comme ça, poche. Et ça fait comme un sweat. Et ça fait un sweat normal. Mais c'était la couleur que tu voulais, un peu marron comme ça? Oh ouais, je voulais essayer. Et aussi l'ensemble, j'en voulais un aussi. L'ensemble. Le fait que ce soit tout pareil. Ouais. Le bas, bah, il est bien bouffant et c'est cool du coup. Et ça tient super chaud. Et bah, le haut, je crois que c'est du S. Et bah, en fait, ça tanne bien. Genre. Au niveau des bras et tout, c'est bien? Ouais, c'est bien. Il y a tout qui est bien. Et après. Une autre robe. J'ai cru de l'enlever. Ah, celle-ci. Elle est belle. Je crois que c'était robe un peu cocktail, celle-ci. Tu sais? Ah oui, j'allais dire, c'est pour. C'était invité à un mariage. Ouais, avec. Elle est belle, hein. Le haut, il a l'air trop beau. Il y a des coussinets pour les seins. Fermeture derrière, ceinture sur les côtés. Petit froufrou là. Elle est trop belle, je trouve. Ouais, ouais. Et elle est à moitié doublée. Et en bas, c'est transparent. J'adore. Mais je crois que celle-ci, elle était un peu chère dans le budget. Et c'est plus dans les robes cocktail, etc. Donc, je vais l'essayer après. Alors, cette robe, elle est vraiment très, très jolie. Un chouille décolleté, mais vraiment, ça va. C'est limite parce que j'ai un débardeur en dessous, on le voit. Mais sinon, elle est bien. Elle est bien. Elle est vraiment parfaite. Une petite robe, là, pour aller à un mariage. Un cocktail entre guillemets, mais qui va à des cocktails à l'heure actuelle, je ne sais pas. Donc ouais, elle est vraiment trop jolie. C'est vraiment joli le devant là, il y a la petite ceinture, il y a une doublure qui s'arrête au niveau des genoux, hein. Et après c'est transparent, la matière est trop agréable. Vraiment rien à dire, cette robe est parfaite pour les beaux jours. Ça c'est un truc de toi ça, c'est obligé, c'est toi. Non? Bah je suis du coup quand même ton bout. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi, mais moi j'ai. Non, c'est toi. Ah, si, j'ai pris un truc de sport. C'est un truc de sport, oui, c'est vrai. Oui. Je m'en rappelais pas qu'il était comme ça. Écoute, il a l'air pas mal. Karine se met au sport. Ouais. Bah, écoute, je fais partie d'un groupe Facebook de Cici Mua là. Ah, oui, elle est à fond dans le sport, elle aussi. Non, bah, tu fais quand même plus de sport que moi. Hein. Je regarde. J'ai l'application, j'ai l'abonnement, je regarde. Je regarde le sport. Et il y a des filles qui disaient qu'il y avait sur ce groupe-là, qui avaient commandé leurs leggings de sport sur Chine, elles en étaient très contentes. Et bah écoute, la matière, elle a l'air pas trop mal. Et 2XL, bah écoute, je pense que ça va me rentrer. Et le haut? Bah c'est le même que le bas. Ouais, mais attends. Ah, mais c'est à manche longue. J'avais pris à manche longue, tiens. C'est qu'il devait cailler hein, le jour où on a fait notre commande. Bah, parce que... Bah ouais, manche longue. Bah, je me rappelais plus qu'il était à manche longue. Mais écoute, on verra. Je vais avoir une dégaine avec ça. Incroyable. Est-ce que ça va me motiver à faire le sport? Grande question. Du coup, je vous retrouve. Alors, vous aurez différents angles de vue dans cette vidéo parce que j'ai filmé certains essayages chez Laetitia et d'autres ici parce que j'ai pas eu le temps de tout essayer chez Laetitia. Du coup, là, j'ai essayé le... La tenue de sport et honnêtement elle me va, mais le t-shirt est beaucoup beaucoup trop court. En fait bah je sais pas si vous verrez, il remonte hein, et bah, c'est ridicule quoi. Ah, ça glisse sur le legging en fait tout simplement, mais sinon ça me va. Alors après si c'est pour faire du sport à la maison ça m'ira tout à fait, mais j'avoue que je suis pas à l'aise pour sortir hein, clairement. Si je devais faire du sport en salle je pourrais pas mettre ça parce que c'est quand même assez moulant, ça se voit hein. Et ça remonte quoi, c'est ridicule, ça remonte bizarrement. Donc un tout petit peu déçu, même si vraiment la matière elle est super. Peut-être que je vous conseille de prendre un petit peu plus grand que votre taille. Et encore une fois, surtout pour le haut, mais je crois que c'était un ensemble donc on peut pas séparer le haut et le bas. Mais peut-être un 3XL ça aurait été mieux. Parce que là j'ai envie juste d'une chose, c'est de tirer comme ça en fait. Mais sinon je peux quand même garder le legging parce qu'il est vraiment bien. Et après moi je mets un t-shirt à moi plus large. Je pense que quand même je vais me pencher pour ma prochaine commande, me prendre un petit haut débardeur sport mais qui est long. Vous voyez, je sais qu'il y en a un peu sur Shein ou sur d'autres sites, donc je vais voir ça. Mais la matière est super agréable. Oh ouais. Ah, c'est lui que je voulais trop, j'attendais trop lui. Alors j'ai pris j'ai pris un haut comme ça. Et je l'ai pris en taille S.
Ouais, c'est en S. C'est des pièces assez simples, en fait, ça fait comme des petits débardeurs, mais courts. Hein. Ouais, crop top, non pas Bah, ça, en fait, ça va. Ouais, elle est basique hein, dans son style, hein. Elle est pas. Elle est basique dans son style. Non, mais je me dirais, elle aime bien les basiques, quoi, les trucs simples. Ouais, ouais, bah, très bien, alors, bah, j'espère qu'il y a ton jean, hein, parce que bon. Ouais, il est là. Non, c'est un XL. Ah, c'est pas, alors, non Non, ah, c'est peut-être moi, alors. Non, c'est vrai que t'as pas. J'ai pris un jean bah, ça dépend si c'est un. Ouais, non, c'est le Non, t'as pas pris un XL, toi. Non, non, ça va pas t'aller. Bah, c'est peut-être moi, là. Eh, il est stretch, hein. Une taille grande pour un XL, non? Bah, ouais. Bah, c'est le problème, c'est que sur Shein, moi, j'ai pas encore le truc des tailles. Et même si je regarde le guide des tailles et tout, alors celui-ci, c'est un. En fait, ce qu'il faut faire sur Shein, c'est aller voir les commentaires. Je regarde les commentaires pour voir les matières et tout. Ouais. Mais. Il y en a beaucoup qui disent ça taille bien ou ça taille grand, mais bon, c'est vrai. Et qui mettent les photos, enfin de la vraie tenue. Ouais. Ça, je suis contente. Parce que j'ai un jean noir et bon, c'est pas beaucoup, moi j'aime bien mettre en noir. C'est un peu un noir chiné quand même. Et il a l'air legging un peu, vous savez, en. Non, pas legging, comment on dit quand c'est serré en bas Slim. C'est pas stretch Slim. Oui, non, il est stretch et il est slim, je pense qu'il est court. Il est... Mais ils sont courts en bas et je pense que celui-ci va être encore court. Et la taille avec des boutons. Avec des boutons sur la taille, 3 boutons. Et moi j'aime bien quand il y a 3 boutons parce que ça, c'est un peu un indicateur d'une taille haute. Il est très bien aussi. C'est un vrai slim hein, qui tombe vraiment, cette fois-ci il tombe bien bas. Et c'est vraiment un slim qui est très très bien taillé, très agréable aussi. Vraiment il n'y a rien à dire sur cette tenue, elle est parfaite. Là vous voyez au niveau des pieds, c'est nickel. Oui. Alors j'ai pris un pantalon pas d'éléphant. Ah oui, je crois que j'avais vu dans ta sélection. J'ai fait contre ce choix. J'ai pris un. Moi, j'adorais les pattes d'éléphant quand j'étais jeune. Oui, mais dans les années 80. Bah oui, mais ça revient à la mode. Et il a l'air super long. Pourquoi pour les minces c'est super long, hein, et pour les grands, les rondes c'est court. Je l'ai pris en taille 30. Mais alors que j'étais pas sûre c'est quoi de la taille, mais en fait faut regarder les avis. Mais je sais pas, je crois 30 c'est. Moi c'est regardé du 38. Ouais, c'est regardé du genre de 38. Bon, il a l'air pas mal, hein. Oui, parce que. Attends, il faut montrer. Excusez-nous, YouTube. Et il voit pas là-haut un youtubeur. Bah ouais, mais il voit c'est quoi le début d'un jean. Bah oui, mais il faut bien montrer. Des fois les gens ça les intéresse. Il a l'air stretch hein, aussi. Deux poches arrière et ouais, il est bien pas d'éléphant. Crap, il est beau. Il est beau, hein, j'avoue. Moi, ça va, tu valides quand même. Elle va regretter son non, choix. Non, mais pas du tout. Parce que alors tu vas nous l'essayer après de toute façon. Essayage obligatoire. Le jean, il est un petit peu trop grand. Genre, j'aurais peut-être dû prendre une taille au-dessus en 29. Une taille en dessous plutôt. Ouais, une taille en dessous. C'est le fameux jean pantalon pâte d'éléphant, là, voilà, hop. Et le haut, bah, j'adore, c'est confortable et ça sert pas trop, donc c'est bien. Vas-y, tourne-toi. Super. Ouais, pas mal du tout, hein. Vraiment le jean, est, vous avez vu, elle est grande, elle est fine, elle a un jean qui tombe très 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 bas, même trop bas. Et quand on est ronde, c'est pas le cas. Ça, c'est vraiment le petit hic. Oh, c'est moi. Aïe. Ah oui, j'ai vu, elle a pris une robe un peu... serré au niveau des épaules et après ça part tout de suite ébalé. Ah oui, c'est très bien. Ouais, ça c'est joli. Hein. Et j'ai pris bleu marine, c'est ma couleur préférée. J'espère que du monde entier. De quoi? Ah, la matière elle fait un peu. Tableau, tablier. C'est vrai que t'es habillée en bleu marine, tiens, j'avais pas remarqué que c'était ta couleur préférée. Ah oui, c'est ma couleur préférée. Ça fait un peu quoi? Je sais pas, la matière. Mais c'est léger. C'est un peu bizarre, mais c'est léger. Bizarre parce que je pense qu'il faut la laver. J'aime moins l'intérieur. Ah, c'est juste un tissu simple. Et derrière, c'est plissé, normalement. Ça fait un peu, tu sais, le Liberty ou les choses un peu comme ça. Et c'est très large, ouais. Mais elle est pas si longue, tu vois, je la voyais un peu longue. Comme une grande chemise longue qui arrive où, je pense, au niveau de... Ah, au-dessus du genou, je pense. Ouais. Bah, il faut que tu essayes tout à l'heure, donc essaye. Ça a l'air pas mal. Il est là, mon mom déchiré. Ah. Donc, j'ai pris un mom déchiré. Soit je l'ai pris. C'est quoi la même, ça veut dire quoi? T'as les droits? Bah en fait, genre, moi c'est pas collé, mais c'est pas slim, mais c'est pas. Trop large. Comme ça, voilà. C'est des jeans qu'on mettait dans les années 80. Mais je sais plus, je l'ai pris en 80. De toute façon, toutes les modes reviennent à un moment donné. Ah, bah je l'ai pris en 36. Et en fait, ça s'appelle des jeans mom parce que c'est des jeans des mamans. Et en fait, c'est taille haute en général. Ah oui. Mais. C'est large un peu. Voilà, mais ça donne comme ça. Attends, oui, il voit pas là. Ouais, mais moi, je vois d'abord pour moi-même. Non, on monte d'abord le bébé. Après, tu vas l'essayer. Donc, ça fait un 38, c'est ça que t'as dit? Non, j'ai pris en 36. Et non, ça fait 36. S, 36, ok. C'est vrai qu'il a l'air pas mal large au niveau des fesses. Ça va te faire des jolies fesses, je pense. La qualité, elle est bien. Hein. Ouais, bien. Bah, même le pas def, il est bien, la qualité. Déchiré à ce niveau-là, il a l'air. Voilà, il est. Un légèrement resserré, mais vraiment légèrement au niveau du bas, pas beaucoup.
Bah écoute, on va l'avoir avec ça, on va voir ce que ça donne. Et t'avais pas pris de veste ou quelque chose? Je me rappelle plus dans ta sélection. Je sais plus du tout, maman. J'ai pris le haut. Le lot de 4 hauts, c'est voilà, ça? Voilà, de lot de 4. Donc en fait, ça fait des hauts bas comme ça et ça donne ça. Franchement, il est ultra léger. Et que très certainement, en dessous du blanc, faudrait mettre soit un soutif couleur chair ou blanc. Parce que ça a très. C'est légèrement transparent. Sur le vert, ça se voit pas, mais peut-être le blanc. Ouais, le blanc, ça va fort se voir. Et le jean, je l'ai pris en taille 36, j'aurais peut-être dû le prendre en 38 parce que il sert quand même là, mais sinon le bas il tombe bien. Là j'ai fait des plis mais sans. Ah, moi je voulais un petit haut un peu fleuri, parce que avec des fleurs blanches si possible, pour mettre avec un pantacourt blanc. Et je voulais un petit haut qui est un peu évasé, qui cache les fesses. Je voulais ça, je voulais tenter ça. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Pas du tout l'air pas assez. Ouais. Ah ouais, bah non, je pensais que c'était. Oui, effectivement, en fait, il est pas très long. Mais il est pas long, ouais. Il est pas selon l'effet. Oui, désolé, je te cache. Mais il est pas très long et il y a une ceinture. Alors, où est-ce qu'elle se met la ceinture? C'est très certainement là. Ouais, mais il n'y a pas de. Si, il y a des trucs. Donc, il y a une ceinture par-dessus l'élastique. Ouais. Ah bah, je le voyais plus long. Dans, je sais pas, dans ma sélection, je pensais qu'il était un peu plus long pour cacher un peu les fesses. Parce que c'est vrai qu'avec les jeans blancs, c'est risqué, comme elle a dit. C'est risqué, on verra. En tout cas, la forme après, elle est sympa. Le petit haut, il est joli comme ça, mais il est trop petit. Regardez, je sais pas. Alors, sur la photo, je pense que je me suis pas trop rendu compte. Mais de loin comme ça, il a l'air sublime. Mais ici, je sais pas si vous le voyez, mais il arrive limite, quoi. Regardez sur le côté. Faut pas avoir des grosses hanches, en fait. Faut être fine. Là, il est vraiment limite en haut des fesses. Faut pas avoir des grosses fesses ni des grosses hanches. Pour ce haut, il faut pas avoir ça. Ceci, c'est toi aussi. C'est vachement fleuri. Donc pareil, c'est le même style parce que c'était dans mon idée d'en tester plusieurs. Et quand on fait une sélection à Chine, on sait pas forcément si ils vont nous envoyer tout ou pas. Et oulala, celui-ci il a un décolleté plongeant et la matière est légère. Mais ça ressemble à celle de la main. Tu trouves? Non, pas du tout. Non, moi, elle, je trouve ça pas. Fait plus, je sais pas, un petit peu plus couvert que elle. Ça, c'est une matière, vous savez, en été, et ça donne chaud. Un peu. Plastique entre, enfin je sais pas comment dire, mais c'est toujours pas dans l'idée que je voulais, tu vois. Non, c'est pas assez long du tout. Je voyais ça plus long en fait sur le modèle, je sais pas, dans mon souvenir. Et ça avait l'air plus long. Il y a une ceinture aussi. Il y a aussi la ceinture au niveau de là où c'est marqué. Après ça peut être faire très joli, mais moi je veux que ça tombe un peu sur mes fesses quand même. Donc. Oui, il est sympa. Hein. Après, c'est pas l'idée que tu voulais. Je voulais un chouïa plus long. Après ça se trouve ça rendra très très bien, on verra. Ce petit haut là, mitigé. Après ça reste décolleté, on va dire que ça passe. Mais là, avec un jean en dessous, ça descend. Mais moi, j'ai des hanches très larges. Et du coup, c'est limite. Faut pas que je grossisse. Mais il est pas très très long. Après, je sais pas, ça fait estival, quoi. C'est joli, hein. Mais je suis mitigée. Ça, c'est peut-être toi. Les mini-pièces, en fait, c'est elle. Ouais. Les trucs qui cessent. Dès que c'est un petit paquet, on sait que c'est pour elle. Et ben, j'ai pris ça. C'est dans le même style que tout à l'heure, sauf que derrière c'est en comme ça. En fait c'est comme le gris. Ça c'est les descriptions des jeunes, en comme ça. Mais en matière, mais il y a rien de transparent. Tu crois? Ouais, regarde, mets ta main là. Ah, la matière elle est douce en revanche, hein. Est-ce que c'était pareil tout à l'heure? En fait c'est pareil que le gris. C'est échancré au niveau du dos comme ça. C'est pareil que le gris, un peu. Non. Parce que celui-ci fait un peu plus brassière, quoi, entre guillemets. Ça fait plus brassière. Je crois, c'est pas. C'est petit. C'est petit, c'est elle peut-être. 3XL, c'est pas moi. C'est 3XL là-dedans? Qu'est-ce que c'est? 3XL. Ah, peut-être que c'est un. Ok, je sais plus ce que j'ai pris. Ah oui, j'ai pris ça parce que. Oh, j'adore le pull midi. Mais ouais, mais. Attends, c'est dans quel sens? Non, c'est dans l'autre sens. J'aime bien ces genres de petites pièces, mais il faut prendre large ces trucs-là parce qu'en fait, comme c'est collé au corps, souvent, il vaut mieux prendre XXXXL et être tranquille. Tu vois, sinon, des fois, c'est trop bas, ça remonte, donc. Il est beau, hein? Puis après, quand tu laves, ça rétrécit peut-être. C'est ça, et alors j'adore l'effet. Ouais. C'est un peu comme dans ma dernière vidéo Chine, il y avait un petit haut comme ça avec des manches un peu bouffantes. Oui, il était trop beau. Et voilà, il est beau, hein. Et bah du coup là c'est la même chose mais en version transparente. Le haut il est juste trop beau, regardez-moi ça, trop beau, il n'y a rien à dire, il est magnifique, il passe très bien. Là c'est avec un petit effet dur à l'intérieur, du coup ça garde bien la forme du V. Je sais pas si vous verrez, hop. Ça garde bien la forme, il est vraiment beau. Heureusement que j'ai pris 3XL, alors je vous conseille vraiment de prendre plus grand que votre taille, mais il est magnifique. Ça, c'est la petite pièce qui fait la différence. C'était vraiment petit prix d'ailleurs, hein. Les petites pièces comme je ça, souvent elles valent rien. Ouais, c'est ta veste en jean. La veste en jean, du coup tu as associé les deux? Oui.
C'était pour. Et donc on va faire des petites tenues. Je voulais une courte. Celle-ci, c'est une courte alors. Ouais. Pas sur la photo. Mais sur Shein, il y a un paquet de vestes en jean, vraiment. Si vous en cherchez à pas trop cher, elles sont bien. Donc, voilà. Bah toi, t'as vraiment pris une simple. Moi, j'avais pris avec des déchirures et tout, mais pas toi. Non, basique. Basique. Simple et efficace. Elle sent pas terrible celle-là. Oh, ça sent un peu, vous savez quoi, le chlore, non? Dis-nous. Ouais. Bon, après, de toute façon, faut tout laver. Hein. Mais moi, ça sent un peu le chlore. Voilà. Elle est censée être courte. Bah, elle n'est pas si courte que ça. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Eh ben, nickel. Eh, tu trouves parfait la taille, je trouve. Ouais. Je suis contente. Je suis rentrée dans le L. Oh, après, ça va, c'était large. Hein. Ah, bah oui. Non, mais l'arnaque, je te jure. La matière, elle est super agréable. Ah, c'est manche longue, du coup, ouais. Ouais. Super. Derrière, on voit. Normalement, ça doit être plissé. C'est un petit peu plus long derrière que devant. Ah bah nickel la taille au niveau de... Ouais, super. Elle est agréable à porter. Tu vas avec des petites baskets. Hein. Ouais, avec des petites baskets pour les beaux jours, là, c'est parfait. Le matin, il fait frais, on met la veste. Voilà. Nickel. Deux pièces. Un truc avec des perles. C'est pas toi ? Je sais plus. Et ça ? Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. C'est tellement toi. Je sais plus. Il est gros, ce paquet. Une veste, est-ce que j'ai pris une veste? Oui, c'est possible, je ne sais plus. Oui, un XL, ça doit être moi. Oui, parce que cet hiver, j'en avais un dans ce style-là, mais alors je ne m'attendais pas du tout à cette matière. C'est ça le problème aussi avec les sites. Ah, on dirait de la feutrine. Ouais, c'est ça. On dirait de la feutrine, mais du coup, est-ce que ça va être agréable? Alors hop, on vous la montre. En hiver, oui. En hiver, tu penses que ça va être agréable? En automne. C'est quand même assez fin, mais une matière, ouais, feutrine. Vraiment, c'est un peu ça. Donc, c'est une longue veste avec une ceinture, col un peu en V. Difficile à montrer comme ça, mais de toute façon je vous rajoute la photo. Pour la veste, ma foi, elle est jolie. J'aime bien la forme qu'elle a. Quand on la met, elle est quand même assez chaude au final, mais elle est un petit peu courte au niveau des bras. Je sais pas si vous verrez, vous voyez. Si je plie mes bras, elle est un petit peu courte. Ça, c'est vraiment le hic. Sinon, le col est très très beau. Vous avez une ceinture ici, mais j'aime pas forcément la mettre avec une ceinture. Il y a qu'un seul bouton et ma foi j'aime bien. Et après elle part un petit peu en évasée. Je sais pas si ça se verra. En tout cas je vous ai mis le modèle de base. Mais ouais je l'aime bien. Je l'aime bien. Je trouve qu'elle est assez classe. Donc je pense que en mi-saison, en automne, elle pourrait être très très jolie. Quand on sort quelque part avec un joli sac à main, ça va être très très sympa. Vraiment je la trouve très jolie. Mais la matière est pas hyper 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 agréable, ça sera chaud je pense quand même pour la mi-saison. Et le col là j'aime bien, je trouve beau le col là. Ouais, je trouve vraiment sympa. Le dernier de notre sélection, j'ai pris ça moi. Oui apparemment. Un pyjama. Non. Si c'est un pyjama. Non. Un pyjama avec des perles, c'est pas agréable pour dormir. Bah, c'est comme toi, j'ai peut-être voulu faire comme la Jones là, je me suis dit je vais prendre un ensemble un peu. Mais en fait, mais je pense que dans leur photo, encore une fois, dans la photo Shein, ça faisait un peu tenue qu'on peut mettre dans la journée. Mais là, quand je vois la matière, si, moi, pour moi, c'est pyjama. Ça s'appelle une tenue d'intérieur. En vrai, ça s'appelle une tenue d'intérieur. Une tenue d'intérieur, ça veut dire que c'est une tenue que tu mets à la maison, t'es belle gosse, entre guillemets, hein, voilà. Mais t'es à l'aise, c'est ça? Voilà. T'es genre en pyjama, mais t'es bien. Donc, alors, un beau pyjama. Parce que dormir avec ça, ça fait les petites boules. Donc faut pas le garder pour la nuit, mais pour la maison. Parce que la matière, ça fait un peu pyjama quand même. Ouais. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, c'est quoi, c'est un legging? Si tu t'allonges sur le côté. Ouais, j'avoue, non, ça va faire mal. Ouais. Ce petit ensemble là, avec les petites perles, en fait, il est. On les sort les petites perles en fait en dessous, ça traverse, hein, tout simplement on voit les petites pampilles, donc on les sent, ça fait un petit effet froid sur le corps. Le haut me va très bien, mais le bas pas du tout en fait. Je sais pas si vous verrez, mais en fait il est pas remonté, juste tout simplement jusqu'en haut parce que je peux pas le remonter plus haut. C'est une matière comme le t-shirt, soit une matière un peu en coton, mais pas extensive, pas stretch tout simplement. Donc j'arrive pas à le remonter. Je peux mettre le haut mais pas le bas. Donc c'est vrai qu'il est pour une tenue d'intérieur, comme le disait Laetitia, pourquoi pas, hein. C'est très sympa. Mais voilà, le pantalon n'est pas du tout agréable. C'est ultra chaud d'ailleurs comme pantalon, hein. Mais c'est pas stretch. Tout simplement c'est pas stretch. Donc surtout faites attention à la taille cette fois-ci. Prenez vraiment extrêmement plus grand que vous si vous voulez que ça rentre, hein. Parce que là je pense que j'ai pris ma taille, mais comme c'est pas stretch, bah voilà, ça passe pas.
Bon, on se retrouve pour la fin, le petit bilan. J'espère que ces essayages et cette vidéo vous aura plu vraiment. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé que mes copines, enfin Lina et ma copine, soient là. D'avoir des avis un peu différents, d'avoir des styles différents. En tout cas, elles ont l'air plutôt conquises de ce qu'elles ont reçu. Moi, je suis ravie, j'adore. D'ailleurs, elle n'a pas quitté sa tenue. Moi, je n'ai pas tenu. Elle a quitté ma tenue. Je pense qu'elle va la laver et la mettre direct lundi pour l'école. C'est ça. Et madame? Bah, j'ai beaucoup aimé, c'était cool, c'est bien. À refaire. À refaire. Donc, pour cela, il faut vraiment que vous nous boostiez dans les commentaires. Et toi, tu vas nous faire de la pub auprès de tes jeunes aussi, oui, un petit peu. Oui, pas de soucis. Hein, tu dis que t'es dedans, qu'on a été sympa et tout. En tout cas, j'espère que ça, vraiment, ça vous aura plu, cette idée que j'ai eue. Et je me suis dit, comme ça, je partageais un peu aussi mes cadeaux avec les copines. Et ça pouvait faire plaisir un peu à tout le ça monde. Ça fait très, très plaisir. Et puis surtout j'ai pensé à vous et je me suis dit que différentes morphologies ça peut être que bien. Et si vous avez des filles ça peut vous donner des idées. D'ailleurs je trouve que sur Shein, moi j'ai eu quelques déceptions aujourd'hui mais ça reste des petites déceptions. Elle est ravie et je trouve que pour les ados comme ça il y a des trucs quand même sympas. Oui. Des pièces pas chères. Très abordable. Oui. C'est un peu quoi? Très abordable. Ouais c'est des prix abordables, là, des petites pièces à 7€, des jeans ils étaient autour de combien des jeans? Entre 20. Donc ça reste des pièces abordables et honnêtement, elle a nickel, tout lui va au niveau de ses tailles et tout. Elle a mieux géré que moi, je trouve. Donc sur ce, on vous laisse tranquille, j'espère que ça vous aura plu. On vous fait des bisous. T'as oublié quelque chose? On s'abonne si c'est pas encore le cas. Et si on a envie de passer une petite commande, on utilise le petit code promo. Oui. Je crois que ça vous donne au moins 15% sur tout votre panier, donc c'est plutôt cool. Et un autre truc à rajouter? Likez la vidéo et tout. Bisous. Bisous. Comme ça, c'est un peu... Non mais je rajoute souvent quand on montre un article, tu sais, je mets le prix oui, comme oui, ça. Oui, je sais, je regarde tes vidéos. Ah non, ça va. Et oh, dis donc. Je rigole. Mais non, mais je rigole. J'ai eu le plus important. Moi, je croyais que c'était les jeans. J'ai trop dégoûté. C'est pas les jeans. Donc c'est bon, t'as des jeans, ouais, des hauts et ton non, je pense ta tenue. Si, c'est moi le 7ème, c'est moi qui ai pris la. Voilà, c'est bon. En fait, y a rien du tout. Ah bah donc c'est bon, t'as tout eu. Oui, je suis contente, j'ai tout eu. Voilà.